Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va très bien, c'est parti pour un nouvel épisode sur Call of Duty Black Ops 2. Donc c'est vrai que j'ai fait qu'un épisode depuis le temps sur Black Ops 2, parce qu'en ce moment je fais beaucoup en live. En live c'est vrai que c'est du 480p. Donc voili voilou, donc c'est un petit peu galère pour vous pour avoir une excellente qualité. Donc voilà, j'ai voulu changer un petit peu. Allez, on va enchaîner, un petit Black Ops 2 MME, allez. Je crois que j'avais fait MME la dernière fois, mais c'est pas grave, c'est mon mode préféré. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça me fait plaisir. Et comme vous pouvez le constater, il y a un nouveau logo. Donc, comme ça, ouais, un nouveau logo au-dessus de moi. Donc, voilà, petit logo. Parce qu'en fait, si vous ne savez pas encore, enfin, je pense que vous l'avez vu, vous avez regardé la vidéo. Que vous regardez la vidéo, j'ai fait une nouvelle bannière sur la chaîne histoire de changer tout ça et mettre à jour un peu le monde d'Apiter, tout simplement. Et en plus de ça, j'ai ajouté un petit logo. Bon, il va être temporaire parce qu'il est un petit peu pixelé. Mais ça dépanne. Quoique, ça va, il a l'air pas mal quand même. Donc, voilà. Donc, j'ai rajouté aussi une nouvelle bannière sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, ça fait un peu de. Ça apporte un peu de fraîcheur. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et là, ce qui est bien, c'est qu'en plus, on commence la partie sur Nuketown. En espérant qu'on va avoir la jacket. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver. En plus, là, en HD. Comme ça, vous pouvez savourer les parties. Et en plus, l'avantage de seulement enregistrer et de pas être en live, c'est que j'ai toute ma barre de connexion, parce que vu que quand je fais des lives, c'est clair et net que je perds un peu de connexion, ce qui est logique vu que j'utilise du débit de base. Waouh, ça commence bien. Et donc voilà, en tout cas j'espère que ça va vous plaire, en espérant que ça, juste du coup que je ne suis pas en live, que ça va apporter ses fruits vu que j'ai toute la connexion. Qu'est-ce que je fais moi? What? Non, là c'est pas moi par contre. On m'a acheté une bombe. Bon, ça commence bien sur Black Ops, c'est qu'on jette des bombes partout. Donc, c'est. Voilà. Voilà, ça tire de partout. Alors, vous allez remarquer, c'est que j'ai souvent tendance à galérer sur la map Nuketown, justement, étant donné que c'est petit, il y a des snipers de partout, il y a des bombes de partout, bref. Voilà. C'est un petit peu galère pour moi. Donc, en espérant qu'on va pas rester seulement sur cette map. Attention, je dis pas que j'aime pas Nuketown. Mais justement, elle est un peu encombrante. Bon, après, c'est sûr que c'est la marque de fabrique de Black Ops. Hein, mais je l'aime bien, je l'aime bien. Mais bon, le souci, c'est que voilà, je suis pas un. On va dire que on va dire que la map que je préfère, c'est du. Attends, on va augmenter la sensi. La map préférée que je préfère, c'est bien, c'est clair et net, du Adjacked. Waouh! Oh, il y en a là-bas. Voilà, c'est bon, on commence, ça y est, là c'est une petite partie d'échauffement. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas encore joué avant d'enregistrer. Donc je m'échauffe un petit peu. Ouais, bon bah là je me suis fait toucher, c'est cool. Donc là on galère un petit peu les amis, mais bon, vous êtes habitués. Donc le mec, je lui tire dessus, il meurt pas, d'accord. Ça c'est cool, ça commence bien. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez hein, dans la vidéo, dans les commentaires. Et... donnez votre avis pour améliorer tout ça. Alors oui, j'ai pas dit, je suis avec en ce moment l'arme l'ANK, l'AN94, pardon, qu'est-ce que je dis l'ANK, l'AN94. Alors c'est vrai que je l'ai testé depuis peu de temps et franchement, elle est nickel. Ah, je vais mettre le drone, voilà. Elle est franchement bien. J'ai souvent tendance à utiliser la M. Où il y a un sniper. Là, ouais, d'accord. J'ai souvent tendance à l'utiliser comme arme. C'est la MSMC, je vais y arriver. La MP7 aussi. Et une troisième arme, je sais plus c'est quoi son nom. La type 25, je crois que c'est ça. Je crois que c'est la type 25. Et donc, du coup, j'ai voulu un petit peu changer. Parce que j'aime bien de temps à autre, on va dire, changer d'arme. Et franchement, en effet, la N94, franchement, elle est géniale. Elle est géniale. En plus, sachant, il n'y a pas longtemps de ça, en live, je suis passé en prestige 3. Bon, pour ceux qui se demandent, c'est quoi mon ratio, je suis aux alentours de 1. 1-0 ou des brouettes, je sais plus combien exactement. Mais voilà. Bon, lui, il commence à m'énerver, le Dark Sky, là. Le mec, il est partout. Partout sur le front. Bon, bref, c'est pas grave. Oh, allez, 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 tu peux y arriver. Voilà, nickel. Donc, il n'y a pas longtemps, je vous avais fait une vidéo sur Call of Duty Advanced Warfare en mode multijoueur. Bon, vous avez pu le constater que ce coup-ci, j'avais enregistré d'abord le gameplay et ensuite j'ai commenté
Mais je vous rassure, pour ceux qui aiment bien quand on commente en même temps qu'on joue, c'est le cas de le dire, ça sera pas toujours le cas. Je compte bien. Wow, je n'ai kill cam. Je compte bien par la suite, bien évidemment, commenter en même temps et jouer Star Advanced Warfare. Bon, par contre, des fois, il y a des choses que j'oublierai de dire, peut-être, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, je voulais faire une petite mise au point aussi par rapport au site que je suis en train de faire. Il a très bien avancé. Donc, la vidéo va être uploadée cette nuit. Donc, vous allez la voir, à mon avis, lundi. Donc, vous allez la lire lundi. Enfin, vous la lisez en ce moment même lundi ou alors pour vous un peu plus tard. Et il se peut que le site soit déjà sorti, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, voilà. Si déjà sorti, j'ai lancé un live. Non, la drone, allez. J'ai lancé un live pour l'ouverture du site en même temps. Donc, pour le moment, qui est accès bloqué. Donc, vous inquiétez pas quand il vous demande un pseudo et un mot de passe, c'est normal. Si là vous voyez le site, c'est que c'est bon, ça y est, il est mis en ligne. Donc, voilà. Donc, il y a toujours un décalage entre la vidéo quand on l'envoie et au moment qu'on fait les choses, c'est normal. Vous allez me dire. Donc là, on a commencé, on a fait la première partie. Je m'en suis vraiment. Enfin, j'ai vraiment galéré, on va dire ça comme ça. J'ai vraiment galéré ce coup-ci à base de grenades, de bêtises, bombes aveuglantes, paralysantes. Voilà. Bon, c'est un peu. Enfin, pas bombe, mais grenade, quoi. Mais voilà, c'est un petit peu galère. Non, par contre, on va changer un petit peu ce que Newton, on vient de la faire. J'aime bien un petit peu varier. On espère qu'on tombe sur la Hijacked. En tout cas, j'espère que la série sur Call of Duty Black Ops 2 vous plaît. Donc, voilà. Oh, il y en a un qui a mis le micro. Il y en a toujours un sur Call of Duty qui parle, tout le temps. C'est pas possible. Oh, l'aftermath, oh mon dieu. Celle que je déteste le plus. Bref, c'est pas grave. Donc là, on va utiliser le sniper, mais vous allez voir, je galère à mort. Je galère à mort avec le sniper. Mais ça va le faire, ça va le faire. Même si on n'y arrive pas ce coup-ci, on y arrivera un autre jour. Merci. On y arrivera un autre jour, donc vous inquiétez pas. Quoique, j'ai peut-être un bug, parce que là, je vois la synchronisation de vos paramètres de jeu. Donc, à mon avis, là, je pense que je vais pas la faire. Ce qui, bien sûr, m'arrange. On verra bien. Allez, allez. Allez, mon petit. Ouais, donc ça, c'est les bugs classiques sur Black Ops 2. Alors, enfin, bug classique, entre guillemets. Peut-être que moi, j'ai plus de bugs que vous, vu ma collection, mais je pense pas. Je pense que là, c'est vraiment des bugs... qu'on a très souvent. Alors attendez, je vais essayer de quitter, de relancer une partie en MME. Il se peut que dans les prochaines vidéos, je fasse une vidéo où il y a le jeu d'armes. Je sais que ça me plaît à beaucoup. Et moi, je l'avais fait aussi, et franchement, j'aime bien. Et donc, voilà. Donc, on va essayer de muter ces gens. Je vous dis, il y en a toujours un qui discute sur Black Ops 2. Ah! Attendez. Voilà. Désolé, j'ai évité de parler parce que de toute façon, vous n'allez pas m'entendre par le dessus. C'est pour ça que je ne mets jamais les personnes au micro sur Black Ops 2 live. J'aime bien, c'est qu'il y en a beaucoup qui croient que dès que je joue à un jeu sur console, que je live. Parce que j'ai souvent tendance à live une fois par jour. Mais bon, c'est pas à chaque fois que je joue. Alors, petit coucou à toi, Jorzan, hein, qui est un nouveau. Ça fait plaisir. En tout cas, je voudrais vous remercier par rapport à ça parce que la communauté s'agrandit de jour en jour. Et franchement, ça fait énormément plaisir. Là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait 5 heures de live sur Twitch. On a dépassé les 300 followers. Donc, du coup, j'en ai profité pour fêter ça avec 5 heures de live. D'ailleurs, je tenais à remercier ceux qui ont participé. Même s'ils ont, ils sont venus que 5 minutes, c'est quand même énorme. Et voilà, voilà. Donc, je ferai sûrement une. Attendez. Je ferai sûrement quelque chose pour les 500 abonnés sur YouTube, je pense. Je sais pas quoi. Et lui, il reste là. Et voilà, il campe comme un porc. Ah, ça m'énerve, ces gens-là. Bon, bref. Et je suis pas ragé. Hein. Qu'est-ce que je dis? Oui, donc, je ferai pour les 500 abonnés sur YouTube sûrement quelque chose. Je sais pas encore quoi. Voilà, il y a encore un snipé, entre guillemets. Bon, allez, on va essayer de le contourner. Il y en a un là. Et voilà, il y en a un deuxième là. Et voilà, lui il commence à me casser les pieds. Et voilà, on s'en est occupé. Bon, le mec, je lui tire dessus, mais non, ça lui fait rien. C'est normal. Donc, voili voilou, donc... Alors, il y a des choses qui me font rigoler des fois. C'est que, de temps, bon, je lance des lives pratiquement tous les jours.
Et il y a de temps en temps, bon ça va, en général il y a une bonne ambiance sur les lives, franchement, grâce à vous, ça fait plaisir. Mais par contre, il se peut, c'est déjà arrivé, pas plus tard que hier, j'avais fait un live, donc pour vous, avant-hier, hein, qui regardez la vidéo. Et t'as des commentaires du genre, oh t'es nul! Bah oui, et alors? Je veux dire, je t'oblige pas, je t'attrape pas, je te mets pas devant ton PC, je tape pas le monde à Peter sur Twitch, c'est toi qui viens. Si le gameplay il te plaît pas, c'est simple. Tu quittes le gameplay, tu quittes mon live tout simplement. Je veux dire, moi je suis quelqu'un qui va faire des vidéos sur Call of, que ça soit en live ou en vidéo classique. Je vais pas vous montrer que du bon gameplay. Je vais pas faire du montage du style j'enregistre que mes meilleures parties. Non, je fais aussi les parties où je n'y arrive pas. Voilà. Donc et ouais, je suis pas. Il y en a des meilleurs que moi en joueur, c'est clair et net. Je vais pas mentir. Mais voilà, ça s'arrête. Wow, j'ai un lag là. J'ai un lag. Wow, le lag. Ah oui. Ah ouais, d'accord. Il y a un host qui. Lost, c'est. Le Bicos. Et apparemment, sa connexion n'est pas terrible. Ah ouais, donc pour revenir à ça, s'il y en a qui disent ouais, t'es nul au gameplay. Mais je le sais, il n'y a pas besoin de me le dire, les gars. Donc si vous n'êtes pas content, c'est simple. Quittez le live sur Twitch. Ou alors, si là. Vous trouvez que mon gameplay est pourri. Je suis d'accord avec vous, là, je galère en plus. Mais voilà, je le sais très bien, il n'y a pas besoin de me le dire. C'est moi qui joue. Je sais quand j'assure ou quand j'assure pas. Et voilà, il n'y a pas besoin de dire, ouais, t'es nul à chier. Je le sais, les amis. Vous n'êtes pas contents. S'il y en a qui sont pas contents de mon gameplay, je retiens personne. Tout simplement. Donc, c'était une petite mise au point pour certaines personnes qui me disent ce genre de commentaires. Ça sert à rien de me dire ça, je le sais déjà. Voilà. Bref, en tout cas, voilà, n'hésitez pas, en tout cas, à poster en dessous de cette vidéo vos avis. Et franchement, n'hésitez pas à venir sur Twitch, même si c'est du 480p, franchement, ça va, il y a beaucoup pire en connexion. Il y a beaucoup de streamers, sans les critiquer, sans être méchants, qui live avec une connexion en dessous de 480p. Donc bon, ma foi, je m'en sors quand même assez bien. Donc voilà. Bon là c'est clair que j'ai fait deux parties pas terribles hein. Franchement je vais pas mentir, j'ai un peu galéré. Mais tout ça pour revenir à l'histoire, je voudrais vous remercier parce que on est de plus en plus nombreux sur Twitch, on est à plus de 300 followers et sur YouTube on a dépassé 230 abonnés. Voilà voilà, ça fait plaisir, merci à vous toutes et à vous tous encore une fois. Parce que ce qu'il faut savoir c'est que là je parlais des gens un peu en kikinant entre guillemets. Mais il y a beaucoup plus de personnes cool qui mettent de l'ambiance. C'est très rare que j'ai ce genre de réflexion à deux balles. Il y a beaucoup plus de personnes cool pardon, qui sont là. Et voilà, ça fait plaisir. Qui sont là, qui sont toujours là à donner leurs avis. Comment m'aider à comment m'améliorer. Ou des fois, on discute de tout. Voilà. Et franchement, ça fait plaisir. Alors, je commence à reconnaître les habitués. Il y a toujours des nouveaux qui arrivent. Et voilà, ça monte et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc surtout, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch si vous n'êtes pas encore dessus. C'est le monde à Peter et de toute façon tout est dans la description donc vous allez voir ça. Et voilà, voilou. Donc n'hésitez pas. Je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui je vais pas avoir la map. Alors attendez. J'ai l'impression qu'aujourd'hui je vais pas avoir la map. Zut. La map Adjacked. La map que j'adore. Manque de bol. Aujourd'hui je pense pas que je vais la faire. Bon c'est pas grave. Ma foi, il y a quand même d'autres maps qui sont pas mal, on va pas mentir. Bon, tu me gênes, là, l'ami. Allez. Soyons fous. Et donc, je tenais aussi à dire que le deuxième épisode de la partie campagne sur Call of Duty Advanced Warfare va arriver très prochainement. Pour ceux qui aiment bien la partie campagne. Donc, sûrement... Enfin, dans la semaine, début de semaine, je pense. Donc, là, sachant que cette vidéo, je l'ai envoyée dans la nuit du dimanche à lundi. Donc, sûrement dans... ouais, dans la nuit de mardi à mercredi. Je pense que la vidéo sera là sur Advanced Warfare. On m'en s'embrouille un peu les pinceaux à chaque fois à dire, vu que c'est une vidéo que vous allez voir quelques jours plus tard, nanana. Mais bon, on commence à s'y faire tout doucement, tout simplement. Donc voilà, si en plus parmi vous, il y en a qui viennent sur le live et qui souhaitent jouer avec moi, il n'y a pas de souci, rajoutez mon PSN. Par contre, je tiens à dire qu'il commence à être complet. Donc je crois qu'il reste aller quelques places, de 4-5 places maximum je pense. Donc, par là-dessus j'en créerai un deuxième je pense, ou alors je supprimerai ceux qui sont moins actifs ou qui sont pas connectés depuis quelques temps. Parce que ça m'embête quand même quelque part
ça m'embête quand même quelque part de devoir créer plusieurs comptes PSN. Donc je pense que je vais plutôt faire du tri. Je sais pas encore en fait, je sais pas encore. Oh putain. Il m'a pas vu lui. Il est sérieux mec. Et franchement elle est géniale la N94. Je sais pas ce que vous en pensez mais elle est géniale. En tout cas voilà, si vous avez des idées pour m'aider à m'améliorer, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Pour m'améliorer, c'est le but en même temps. Même si on n'y arrive pas à tous les coups, il y a des jours qu'on s'en sort un peu moins que d'autres. Ça, c'est normal. Mais voilà, je suis toujours dans le coin et je tiens toujours compte de vos suggestions. Même pour améliorer la vidéo, hein, n'hésitez pas. Waouh. J'ai eu chaud. Alors, attendez. On a un par là? Non, il n'y en a pas un par là. Il y en a pas un par là. Ah, ok, d'accord. Ah ouais, ok, d'accord, il est au-dessus, le mec. Ouais, d'accord. Moi, je suis loin, hein. Voilà, on va essayer. Je suis sûr qu'ils ont posé... Non, ils ont pas posé de bêtises, rien. Ah bah, c'est étonnant. Habituellement, ils posent plein de bêtises juste à l'entrée, en haut de l'échelle. Apparemment, pas ce coup-ci. Bon, alors, ça va, c'est pas mal. Allez, 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 tu peux y arriver. Oh, putain. Donc, vous pouvez constater que je tire au jugé. C'est très... Ça m'arrive très souvent. J'ai l'impression qu'en fait, le temps de viser... Enfin, c'est pas une impression, c'est même normal. Mais je veux dire, ça prend beaucoup plus de temps au viser. Mais ceci étant dit, c'est pas tout le temps que je tire au jugé, heureusement. Mais c'est vrai que je trouve qu'on perd énormément de temps. Et je m'en sors... J'ai l'impression que je m'en sors quand même un peu mieux au tir au jugé. Je sais pas pourquoi. Waouh. Il y en a par là, je crois. Ah, bah, ils l'ont tué. Ah, bah, je l'ai tué. Qu'il y en a dans le coin. Non. Ok, il y en a ici. Bon, apparemment, je m'en sors quand même légèrement mieux. Oh putain. Vite, change d'arme. Trop tard. Trop tard, trop tard. Je m'en sors quand même légèrement mieux, j'ai l'impression, dans cette partie. Bon, certes, j'aurais commencé un petit peu à m'en sortir un peu tard. Mais bon, voilà, voilà, comme vous pouvez constater, ça a l'air d'aller mieux. Donc je ferai beaucoup, comme je disais, je ferai beaucoup plus de vidéos. Attendez. Je ferai beaucoup plus de vidéos commentées en même temps que je joue. Ça serait très rare que je commente après avoir filmé le gameplay. Je trouve que c'est plus... Voilà, c'est... Je sais pas comment vous expliquer ça, mais je trouve que c'est mieux. Même si ça fait moins pro, peut-être, je sais pas, pour certains d'entre vous. Mais moi, je trouve que ça rend la classe. Waouh. Bon, par contre, là, j'ai un petit peu galéré, là, hein, même un petit peu beaucoup. Ouais, donc voilà, donc n'hésitez pas à me rajouter sur le PSN quand vous voulez jouer avec moi directement en live sur Twitch. Waouh. Il y en a un par là, je crois. Ouais. Waouh, je l'ai eu, what? What the fuck? C'est pas normal, ça. Allez, on va se concentrer un petit peu. Voilà. Ça fait que j'en parle. On peut y arriver. Bon, c'est clair que par rapport à la première vidéo, je m'en sors un peu moins bien. Mais bon, ça va encore. C'est encore raisonnable. À mon goût, du moins. Je crois qu'il y en a en haut. Non, il est mort. Il a mouru. Il a mouru, le mec en haut. Et lui, il a mouru. Boum. Franchement, par rapport à mes lives, il y a quand même une différence quand je joue. Parce que déjà il y a plusieurs raisons, hein. Déjà d'une, c'est parce que je lis pas les messages, donc je suis totalement concentré dans le jeu. Et deuxièmement, j'ai beaucoup moins de lag. J'ai beaucoup moins de lag vu que je n'utilise pas ma connexion pour le mode en ligne, tout simple. Enfin, le mode en ligne, le mode live plutôt. Enfin, le mode. Quand je suis en live, je vais y arriver, je vais y arriver. Il y en a un par là. Ouais. Il est là, le monsieur. Je m'en doutais. Mais lui, je l'ai pas vu venir. Allez, on peut y arriver, mes cocos. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Parce que moi, ça me fait énormément plaisir. C'est la récompense pour un YouTuber. Parce que, voilà. Plus il y a de likes, plus la vidéo, elle est mise en avant sur YouTube. Et donc voilà, ça fait plaisir de pouvoir proposer des vidéos qui vous plaisent tout simplement.
et récompensé. Voilà. Allez, 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 allez. Et je crois qu'il y a des mecs en haut. Ouais. Il y a bien des mecs en haut. C'est bien ce qui me semblait. Ah putain, j'ai mal visé là. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on perd beaucoup plus de temps avec le viseur. Bref, ça va, j'ai fait quand même 22 doux. Je m'en suis quand même bien sorti ce coup-là. Donc franchement, ça va. En tout cas, voilà, fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, poster un commentaire en dessous de cette vidéo, comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.